Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va partir sur un tuto à la peinture acrylique et je vais découvrir en même temps que vous, enfin, sauf si vous connaissez déjà, ce kit de peinture. Donc, je l'ai trouvé chez Action. Le prix était vraiment très attractif. Je ne sais plus, je crois que ça devait être dans les 6, 5, 6 euros, je sais plus. Enfin, je vous confirme ça si je retrouve le prix. Et donc, j'étais vraiment curieuse de voir un petit peu le rendu de ces peintures. Donc, on va voir ça ensemble. Je vais commencer par le bleu. Et en fait, là, je vois, c'est que la peinture est très, très transparente. C'est pour ça qu'elle n'est pas chère, hein. C'est parce qu'elle est très, très peu pigmentée, la toile en dessous. Donc, je pense qu'il va falloir au moins une deuxième couche. Là, vu que la peinture du haut commence à être un petit peu sèche, je vais repasser une deuxième couche. Donc, je vais refaire pareil, je vais prendre mon bleu. Et en fait, je crois que ça suffira pas. Faudra peut-être même que je mette, une troisième couche. C'est vraiment, je suis un petit peu déçue. Alors, c'est sûr que par rapport au prix, je m'attendais pas non plus à une forte pigmentation, mais c'est vrai que bon, voilà, je pensais que ça serait un tout petit peu plus couvrant que ça. Thank you.
Alors ensuite, je passe à l'océan. Donc là, je vais pas rincer mon pinceau. Je vais garder un peu de orange que j'avais déjà dessus. Je vais prendre un peu de bleu. Pour la plage, je vais utiliser les deux oranges avec du blanc. Donc là, je mets un petit peu plus de matière. Comme ça va créer un petit peu des reliefs. J'ai ce rouge ocre avec une petite pointe de violet et du blanc. Et là, du coup, comme le ciel est sec, je vais repasser une nouvelle fois de la peinture dessus avec un gros pinceau. Et voilà, donc là, je pense que cette fois, c'est la bonne. Alors pour peindre mon arbre, je vais utiliser le marron avec du noir. Donc je mélange les deux couleurs ensemble. Ensuite, pour faire les feuilles, je vais utiliser un gros pinceau comme ça, j'aime beaucoup. Là, j'ai rajouté du vert.
et je vais venir tout simplement tamponner mon pinceau pour faire mes feuilles. Ensuite, je rajoute un peu plus de vert et je vais venir mettre un petit peu en relief les feuilles. Donc, je ne vais pas en mettre partout, je vais juste en mettre à quelques endroits. Thank you.
limite, alors j'avais pas fait attention, mais vous avez la couleur dorée et argentée. Eh bien, je vais pas essayer les deux, mais je vais prendre la couleur or, j'aime beaucoup. Alors comme ça, la couleur a l'air très jolie. Donc comme ça, je vois un petit peu ce que ça donne. Et ce que je vais faire, je vais en mettre quelques petites pointes dans l'océan, sur ma plage, et puis quelques petites pointes aussi sur les feuilles. Pour faire les herbes, je vais reprendre mon mélange de noir et vert et avec mon petit pinceau fin, je vais faire plein de petites herbes un petit peu partout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous reproduisez cette peinture, n'hésitez pas à me la partager. J'en serais vraiment très heureuse. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.